Salut à vous et bienvenue sur la chaîne de Omega, la seule et unique voix qui vous donne toutes les informations buzz, les actualités, les rumeurs, les nouveautés et les non-dits du info africain. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner et partager. La Sonacam réclame 400 000 F à Lady Ponce. La sommation fait suite aux différentes musiques jouées dans le cabaret de l'artiste Sia Yaoundé Messamedongo. Les jeux cassables avec notre ponceuse nationale. Sur la note de la Société Nationale Camerounaise de l'Art Musical, Sonacam, il est marqué urgent. Il s'agit d'une note où l'instance somme Lady Ponce de payer 400 000 F pour avoir fait jouer des musiques dont elle n'est pas l'auteur dans son cabaret. Un montant qui s'apparente ainsi aux droits d'auteur qui seraient utilisés pour indemniser les artistes. Mais, face à cette sommation, Lady Ponce a crié au harcèlement et n'a pas avalé sa langue sur cette sortie de la dite société. J'hallucine ou c'est de la sorcellerie, c'est uniquement ma musique qui est distillée dans mon complexe à longueur de journée et les artistes que j'invite pour la promotion de la culture sont payés à mes frais. Depuis des années vous vous êtes assis sur les millions que vous me devez en termes de droits d'auteur et je n'ai pas revendiqué un centime. Cette année, lors de la redistribution des droits d'auteur, une fois de plus, je ne suis apparu nulle part sur vos listes. Alors que mes œuvres sont distillées sur tous les coins du triangle national et au-delà, vous prenez un sadique plaisir à détruire les créateurs des œuvres de l'esprit et leurs talents. La mendicité des artistes et leur misère vous plaît, vous y trouvez un délice particulier, aucune limite, aucune humanité, soit, malgré tout pour la promotion de la culture camerounaise et africaine en tant qu'artiste au premier chef et entrepreneur battant avec mes propres moyens. La construction du complexe Planète Ponce a été possible et aide de jeunes Camerounais et Camerounaises à vivre décemment et à lutter contre le chômage. Mais vous n'en avez cure malheureusement. Tout pour vous et rien pour les autres. Ville charognard. Ai-je reçu le moindre copec de la Sonacam qui ait contribué à la construction de l'édification de mon complexe Planète Ponce? Des frais qui seraient issus de mes droits d'auteur? Jamais. Est-ce que le ministère des Arts et de la Culture ou une institution particulière m'a aidé? Aucunement. Aucune politique culturelle, aucune valorisation de l'artiste camerounais comme ailleurs. Et vous osez mettre vos pieds dans l'enceinte de mon établissement culturel? Incroyable. J'ose croire que les apprentis sorciers qui ont écrit ce torchon de reçu pour me réclamer de l'argent sont bien assis, aussi pour me payer tous les droits d'auteur que vous me devez depuis des années. Défalquez bien ce que vous voulez bande de salles de vautours. Parce que mon conseil et moi, nous prenons la calculatrice et l'élan pour la réclamation de mes droits d'auteur et je vous assure la facture là, sera véritablement salée. Le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse en tout cas, notre ponceuse nationale est invitée à se rendre à la Sonacam le 28 avril. Just and do it and say. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Laissez un commentaire, partagez et aimez, pour nous encourager pour plus d'actualités.